Привет-привет, как дела? Как себя чувствуете? J'espère que vous vous sentez très bien. Et nous pouvons continuer. C'est le Rusbio, il y a Svetlana. Et on continue en mode égoïste. Car aujourd'hui, notre sujet est les verbes pronominaux. Mais c'est quoi en fait? C'est l'action exercée sur soi-même. Donc c'est en lien direct avec soi. Donc, avec notre petit soleil, on va développer ce sujet parce que parmi les verbes pronominaux, il n'y a pas que les verbes qui sont dirigés vers soi-même, mais vers les autres aussi. Aujourd'hui, le mot clé, c'est toujours soi. D'accord? Alors, le petit soleil, et je note verbe. Pronominal. Pronominal, pronom, n'est-ce pas? Donc, tout va bien. Nous aussi, on utilise les pronoms pour exprimer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu deux pronoms, un possessif, réfléchi, comme option, et le deuxième, carrément réfléchi. Donc, ce deuxième, qui va nous servir aujourd'hui. Sans lui, on va pas très loin, on va nulle part d'ailleurs dans cette histoire. Et vous vous rappelez, j'espère, que c'était le pronom Siba. Et on a vu aussi les autres formes. On va voir tout à l'heure si on a besoin. Pour l'instant, c'est cette forme, donc accusatif et génitif, il n'y a pas de nominatif dans cette histoire, vous vous rappelez, car il ne peut pas être le sujet d'une phrase, c'est toujours un complément. Et donc, pas de nominatif. Alors, si bas, soi-même. Quand vous dites en français se laver, s'habiller, se lever, vous avez ce petit se à chaque fois, bah, à l'infinitif, d'accord? Et puis quand on conjugue pour certaines positions. Donc ce, et puis s, apostrophe, arus. Regardez comment ça ressemble. Ce, s, sia. On va faire ça en fait. On va couper ce mot qui n'est pas très long déjà. On va enlever cette histoire et on va obtenir une forme courte parce que la forme longue, elle va nous servir aussi. Mais pour l'instant, pour vous expliquer ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? S, il y a, sia. Historiquement, ce pronom s'est raccourci un petit peu et du coup, cette partie-là, on a collé à la fin d'un finitif, d'un verbe. C'est un seul verbe, hein? C'est une partie. Ce n'est pas deux comme en français. C'est une, mais par contre, notre particule qui va devenir un poste fixe, il se colle. Vous avez vu peut-être déjà, quand vous apprenez la langue, le verbe uchit, sia. Voilà, c'est ce sia qui va nous aider à transformer un verbe normal en verbe pronominal, si possible, s'il y a deux possibilités. Parfois, il n'y a pas. Parfois, il y a une, par exemple, pronominale, et pas deux, normale. Et parfois, c'est le contraire. Ok, ce petit ça, donc on va mettre à la fin. D'accord? On va prendre le verbe le plus court. Mouitia, tout le monde donne cet exemple, donc je l'aime pas trop, mais bon, c'est vraiment compact. C'est ça l'avantage. Allez. Mouitia, c'est se laver. Sans, sia, c'est juste laver. D'accord? Voilà. Bah, c'est assez clair comme logique.
je viens de vous dire le verbe uchit, ça. Ce verbe-là, c'est un sujet à part. C'est un peu spécial pour le traduire, etc. Ok, qu'est-ce qu'il a d'autre? Mais il a plein. Comme en français, par exemple. Se vexer. Vexer, se vexer. Abéjat. Abéjat, ça. D'accord? Puis, s'intéresser. Intéresser, s'intéresser. Occuper, s'occuper. Préparer, se préparer. Tout ça en russe, on a aussi. Donc, интересоваться, заниматься, ça, готовить, ça. Bon, un qui est un peu plus long. Готовить, ça. Mais vous voyez qu'il y a plein quand nous sommes d'accord. Les Français et les Russes, nous sommes d'accord, on se comprend bien. Готовить, ça, se préparer. Ou tout seul préparer quelque chose. C'est bien. Donc l'action est exercée sur soi-même. Super. Comme ici. Maintenant, si on veut conjuguer ce verbe, qu'est-ce qui se passe? En français, c'est toute une histoire. Je me lave, je me vexe, je m'habille. D'accord? Après, tu te laves, tu te vexes, tu t'habilles, tu t'intéresses. Il se lave, nous, vous, il pluriel, se. Donc, vous continuez à faire cette overdose de je et me, tu et te. Voilà, en russe encore, ça nous dérange, c'est trop. Du coup, cette forme-là, elle va rester, mais juste pour la prononciation, jolie prononciation, on va avoir cette modification. Ça. Quand est-ce que ça arrive? Eh bien, à chaque fois, quand en conjuguant, on a une voyelle à la fin, et qui a une voyelle à la fin? C'est la première personne. Ya. Abijayu. Ça. Allez. Ja. You. Voyelle. You. Et du coup, ça. Abijayu. Ça. C'est un peu trop, quoi. Voilà. Bon, on va prendre le plus court. Oui. Vous lavez. D'accord? J'espère. Вы моете, voyelle, vous lavez, vous lavez, вы моетесь, конечно. Vous voyez pourquoi? Donc juste deux fois, on a cette histoire-là. Mais attention, les verbes peuvent être au présent, au passé, au futur. Donc quand quelque chose va changer par rapport à la terminaison. Donc chaque fois, si on a une voyelle, par exemple, pour le passé féminin. Hein? Ok, je me lave aussi, donc je vais noter ça. Ya. Du coup, c'est je me suis lavé. D'accord? En russe, il n'y aura pas de verbe auxiliaire. Bah, de toute façon, il n'y a pas. Pronominal ou pas. Ou je me lavais. Donc, я мыла. Je suis une fille. Elle a voyelle. Qu'est-ce qu'il me reste? Мылась. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécial ou à retenir les positions. C'est juste voir. Il y a une voyelle, donc il n'y aura pas ici. Я, c'est une voyelle. Le signe mot, ce n'est pas une voyelle. D'accord? C'est quelque chose qui coupe assez sec. Donc, il n'y a pas de... La musique n'est plus là. La musique, la prononciation. Super. Et la même chose, donc, pour tout ce qui est futur. Bah, de toute façon, le futur, c'est la même chose, mais le perfectif. Ok. Я моюсь. Я помоюсь.
Use le pierre fictif avec le pré-verbe pour moi, use. Voyelle, bon, ça c'est pour fabriquer le pierre fictif parce que chaque verbe il a son copain, vous n'avez pas oublié. Voilà cette différence. Donc là c'est très cool, on est d'accord. Est-ce qu'il a d'autres verbes? Pouf, il a beaucoup, beaucoup. La majorité du temps, nous sommes d'accord. Parfois, pas du tout. Et c'est le fameux verbe se promener. Comment on dit en russe? Et bah, en russe, on dit... Je vais peut-être les mettre ici, ceux que vous n'avez pas en français. Vous l'avez. Mais nous, on n'a pas en tant que verbe pronominal. Goulette. Se promener, mais il n'y a pas de se. Voilà. Ou, par exemple, stavat, se lever. Stavat. On n'a pas besoin de cette action exprimer ce retour vers soi-même. Le retour. Hein? Parce que, on a dit déjà la dernière fois, tout ce qui est pronom réfléchi et maintenant le verbe pronominal réfléchi, parce qu'on a aussi ces sens en russe, réfléchi et réciproque. Mais aujourd'hui, on se concentre sur soi, donc réfléchi, d'accord? Pour les autres, c'est la prochaine fois. Ce sera les verbes pronominaux réciproques. Ça existe. Hein? Alors. Donc là, non, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Et on va compléter cette liste. Parfois, c'est le contraire. Par exemple, vous dites « espérer ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous ?« Надеяться ». Pourquoi? Et quand vous dites « rire », nous, on dit « смеяться ». Encore, on se concentre sur soi-même. Et aussi sourire, par exemple. Mais il est où ce « se » en français? Et en russe, « улыбаться ». Il y a pas mal d'autres. Je vais noter, évidemment, le plus possible. Voilà. Donc, là, ici, on n'est pas très d'accord. Et ça dérange. Je préfère quand on est dans le même esprit. Alors, donc, avec ce « ça », on a bien compris. Donc, c'est bon, c'est comme « ce ». Ok. Et cette forme entière, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour les verbes qui ne supportent pas « ça ». Mais ils ne veulent pas, c'est tout, quoi. Voilà. Comme on a vu déjà le verbe « se sentir ». Se sentir, on va noter ça. On dit sentir soi-même, d'accord? Ou soi-même sentir, peu importe où se met ce pronom. Чувствовать ou чувствовать. Il y a trop de consonnes dans ce mot, mais on ne prononce pas tout. Чувствовать, V, on s'en fout un peu. Чувствовать. Vovat, siba. Et du coup, c'est deux parties. Ce n'est pas un seul verbe, c'est un verbe et puis un complément. D'accord? Sentir qui? Soi. Voilà. On a vu déjà les autres, comme par exemple se respecter. Уважать себя. On va noter aussi quelques-uns. Et aussi aimer, s'aimer en russe. Il a deux sens. Un qui est vraiment réfléchi et l'autre réciproque. Quand c'est réfléchi, любить себя. Я люблю себя. Je m'aime. D'accord? Voilà. La même chose, le contraire, ненавидеть, se détester. Ненавидеть.
Wie dit. Si bas. Bon. Mais ça existe, quoi. Vous voyez, donc c'est pas toujours la même chose à chaque fois, donc on est tranquille. Parfois il y a des pièges, il faut penser, détester, aimer. C'est quelque part les sentiments, sentir, respecter, il y a quelque chose de commun. Mais bon, parfois ça existe avec Xia, mais ce n'est plus le même contexte. Et souvent ça s'utilise avec... comme en français, ça se sent. Hein? En russe aussi, on peut dire это чувствуется. Du coup, avec ça, чувствовать ça. Vous voyez? Mais c'est pas je, tu, il, ça. Ça se respecte. Это уважает ça. Mais par contre, pour tout ce qui est любить и ненавидеть, non. Ça s'aime. Ça se dit pas même en français, je crois. Ok, donc attention, les contextes, c'est comme notre exemple de la dernière fois, quand j'ai dit « je me connais, я знаю себя », se connaître, on ne peut pas, il n'y a pas de « знать себя », « это знается », ça se connaît, non. Donc on va utiliser aussi ce verbe « знать ». Comme un paquet des verbes qui ne supportent pas ça, d'accord? Même parfois si, parfois dans la vie comme ça quotidienne, on peut dire они не хотят знать ça. Ils veulent pas se connaître. Vous voyez? Mais bon, c'est pas très classe quoi. Et en plus, c'est déjà le côté de verbe pronominal réciproque. On n'est pas là encore. Ok. Parce que ça, on va utiliser aussi hein, dans le sens réciproque. Et vous allez voir un autre pronom qui va arriver. Tout bizarre, mais complètement bizarre. Parfois, il y a une drôle de situation quand c'est le double côté pronominal. Comment c'est possible? Par exemple, un verbe russe, gardiться, en français ça n'existe pas. Vous fabriquez déjà ça avec deux mots, être fier, et nous c'est un seul mot. Et du coup, il est déjà pronominal, gardиться. C'est ça qui est bizarre déjà. Gordy, c'est fier. Gardиться. Ça n'existe pas sans ça, mais quand on est fier de soi-même, c'est carrément le double. Et du coup, on a dit que ça se décline. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. On a vu déjà dans le cours précédent. Alors, si je suis fier de moi, si vous êtes fier de vous, voilà. Я горжусь. Voilà, voyelle. Du coup, le signe mot, comme on a dit ici, собой. Parce que être fier de, en russe, c'est être fier plus instrumental par soi-même. Bon, c'est toujours pas. Bah, ça peut être une autre personne, évidemment. Собой. L'instrumental de ça, il s'est déjà décliné, hein. Il n'y a pas de nominatif, vous vous rappelez? Ça ne peut pas être le sujet de la phrase. Собой. Je suis fier de moi. Je, moi. Trop, c'est trop. Mais ici, c'est le trop, trop. Deux fois le côté pronominal. Vous voyez, parfois, nous avons les verbes que vous n'avez pas du tout même. Hein? C'est comme tomber amoureux. Voilà, tomber amoureux, влюбить ça, le verbe pronominal d'ailleurs, voilà. Se mettre en amour, vous voyez le truc? Bon, ça mérite quand même un mot comme ça.
Vloub. La. T. Sia. Tomber. Amoureux. Se. Se mettre en amour. Le bof. Le bit. Le bof. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme curiosité? Par exemple, quand vous dites se rendre compte, pour nous, ça ne va pas être dans la même structure. On va utiliser ce pronom, siba. Mais ce ne sera pas siba, ce sera sibé. Parce que dans notre version de se rendre compte, il y a le verbe donner. Et quand on donne, c'est à quelqu'un. Donc quand on se rend compte, on le donne à soi. Voilà. C'est assez spectaculaire parce que tout est différent. Donc, ad-davat. Davat, c'est donner. Ad-davat, avec le préverbe. Ce qui fait rendre, d'accord? Se rendre compte. Отдавать себе отчет. Et voilà, ce n'est plus я, c'est я. On commence, on continue à décliner. Отдавать себе отчет. Après, parfois en français, on peut entendre ça. Elle se lavait les mains. En russe, on se perd parce que elle se, ça veut dire elle se lave entièrement. Non, elle se lavait les mains. Donc là aussi, on va faire comme on peut. Donc, on va utiliser les pronoms, soit ce pronom-là, soit l'autre pronom possessif, свой. Anna. Мыла, le passé, она мыла, руки, c'est juste, elle lavait les mains. Mais est-ce que ce sont les mains à elle, hein? Donc si c'est à elle, on a une version comme ça, она мыла свои. Vous vous rappelez, свой, свой, своя, свои, свое, à soi, à soi. Ses propres mains, d'accord? Ou она мыла, она себе, мыла ou она мыла себе, ça peut être là, d'accord? Tandis que ça, il faut coller au nom pour accorder, hein? Donc ça doit se mettre ensemble. Она себе мыла руки. Она мыла свои руки. Tout ça pour dire elle se lavait les mains. Voilà. Parfois vous êtes plus tordu que nous. Et même souvent. Allez, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il a encore comme curiosité? On va peut-être compléter notre liste des choses qui vont pas. Je vais noter, le verbe rester. En russe, c'est le verbe pronominal. Оставаться. Так. Est-ce qu'il y a d'autres verbes comme ça? Par exemple, le verbe aspirer, à стремиться, ou le verbe... Ah voilà, encore une composition. Vous dites faire un effort. Hmm? Et nous, on a un verbe pour ça. Стараться. Faire tout pour. C'est un peu comme ça. Voilà. Vous voyez? Encore des verbes qui viennent dans ma tête. Est-ce que on a... d'autres bizarreries, d'autres curiosités à dire. Le verbe plaire, le verbe pronominal en russe, нравится.
Voilà. Et maintenant, quelques verbes qui font difficilement cette forme pronominale. Mais ça existe quand même. Donc, ce n'est pas vraiment la règle, mais pourquoi pas le faire. Voilà. C'est par exemple le cas de verbe « хотеть », vouloir. Ça veut dire quoi, se vouloir? Ouf, peut-être en français, il est en sens de tout ça, mais je pense pas. Donc, vous pouvez rencontrer cette forme-là. « Хотеться ». Souvent, on utilise ça dans les phrases un peu impersonnelles. Хочется, чтобы все были счастливы. Хочется. On a envie que tout le monde soit heureux. Vous voyez le truc? Хочется. C'est pas moi qui veux, c'est pas vous qui voulez. Ça se veut. Voilà, ce côté ça se, comme ici ça se sent, ça se respecte. Ça se discute, etc. Donc attention à ces formes-là. Et puis le verbe paraître, ça fait partie de ces verbes aussi. Казаться. Quand on le met dans cet esprit un peu impersonnel comme tout à l'heure, ça nous donne comme ça. Кажется, татати татата. Il paraît. Et puis la suite, que il se passe quelque chose, etc. Tout ce que vous voulez. Vous voyez le truc? Donc, du coup, кажется, c'est la troisième personne du singulier. Et puis, tac tac, comme ici, хочется, хочется. Voilà, la consonne, le signe mot. Donc partout, ça, 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 ça. Si vous voulez, on peut conjuguer un petit verbe comme un verbe se laver, tout petit, pour vous confirmer les choses. Mais je pense que vous avez compris. Я моюсь, ты моешься, он моется, мы моемся, вы моетесь. Они моют ça. Voilà, on n'a pas de place pour tout ça. Donc, faites attention à ces choses-là. Et puis aussi, il y a des verbes, par exemple, comme écrire et lire. Et comme en français, quand vous dites ça se lit facilement, ça s'écrit ta-ta-ti-ta-ta-ta. Donc, on peut. Ce ça, ça nous donne plus de liberté. Sinon, il n'y a pas de verbe vraiment читаться, писаться. C'est tout bizarre, mais ça existe quand même. Как это пишется? Comment ça s'écrit? On dit ça tout le temps. La même chose avec comment ça se prononce. C'est aussi le verbe pronominal à russe. Произносится. Donc, il y a deux côtés. Prononcer et se prononcer. Écrire et s'écrire. Voilà. Mais il y a encore une grande partie des verbes avec ce, quelque chose, mais ce sera l'action qui n'est pas exercée sur soi-même, mais sur les autres, sur plusieurs personnes. Et ce sera le côté réciproque quand c'est vraiment. Il y a plusieurs auteurs. Comme le deuxième sens de s'aimer, quand les deux personnes, trois, quatre, je sais pas, qui s'aiment. Peut-être encore un verbe говорить. Donc ça peut aussi avoir le côté pronominal. Si c'est le côté de ce verbe qui se traduit comme dire, ça se dit. Ou je me dis, je me suis dit quelque chose. Là, ça va être aussi avec себе. Я говорю себе. D'accord? Juste pour rajouter encore quelques verbes avant de terminer.
себе ou сказать себе. Vous connaissez quand c'est le verbe dire, ça c'est l'imperfectif, ça c'est le perfectif. Et pour le verbe parler, c'est l'imperfectif aussi, mais le perfectif c'est pas говорить. C'est ça la différence. Сказать себе. Et encore une fois le datif, parce que quand on se dit quelque chose, on dit à soi-même, c'est comme donner. Отдавать себе отчет. Себе. Себе. Et il nous manque encore quelques cas. On va prendre des exemples pour vous dire que ça se décline très bien. Voilà, juste pour ici, отдавать себе отчет в, se rendre compte de. Nous, c'est в. Et puis, le locatif, в чем. Plus locatif. Voilà. Et donc, pour terminer en beauté cette histoire, quelques d'autres positions de ce себя. On n'a pas vu les situations, par exemple, quand ça joue le rôle indépendant. Carrément, il n'y a pas de verbe, si vous voulez. Si, le verbe est là, mais il a aussi une préposition. Et parfois, on ne sait pas comment traduire les phrases comme ça. Par exemple, elle met son sac derrière elle. Voilà. Позади себя. Elle prend son sac avec elle. Encore cette overdose. Elle, elle. Trop, c'est trop. Du coup, она берет свою сумку с собой. Avec elle, avec soi-même. Voilà. Собой, on a déjà vu. Себя, себе. Voilà, c'est bon. En fait, toutes les formes. Juste quelques, peut-être, comme exemple, la dernière chose. Elle met son sac à côté d'elle. Ça va être aussi une overdose. Рядом с собой. Около себя. On a plusieurs à côté de. Около, возле, рядом. Voilà. Juste ça comme dernière chose. Рядом с собой. Позади себя, derrière. Себя. Et puis, bon, bah vous avez compris, chaque préposition demande un cas. Et c'est valable aussi pour le super mot, Siba. Donc, je vais l'écrire encore, parce que je l'ai rayé comme s'il n'est plus là. Qui peut avoir une forme Sibé. Sibé, Saboy. D'accord? Et c'est vraiment, c'est l'action qui retourne, le retour. Est-ce qu'on a mis ce mot, comment on dit, le pronom réfléchi et le verbe pronominal réfléchi. Voilà, on va noter ça. Vos vrat, c'est le retour, et l'adjectif c'est возвратный, глагол. Le verbe pronominal. Réfléchis dans ce sens-là. Mais en fait, on les appelle tous возвратный, car notre verbe pronominal réciproque, c'est un peu autre chose. Voilà, il n'y aura plus de tout ce qui est себя, свой, собой. Ça va être carrément autre chose. Donc, mettons ça un peu à part. D'accord? Mais retenez ça. Возврат. Le retour. On retourne vers soi-même. Moi, moi, soi. Voilà quoi. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien noté les choses qui ne correspondent pas. Comme se promener, ce n'est pas un verbe pronominal. Et puis,
Espérer, par contre, c'est pronominal. Et puis, on avait plein d'autres. On n'a pas noté s'entraîner, se trouver et beaucoup, beaucoup d'autres. Je vais essayer de vous mettre le plus possible dans ma vidéo finale pour que vous commenciez déjà à parler sans peur. D'accord? Juste attention, parfois c'est court et parfois c'est tout long. Et on ne peut pas faire autrement, c'est à retenir. Voilà. Большое спасибо. До скорого. Пока-пока-пока.